bonjour et bienvenue sur l'Eurobike 2014 et sur le stand Schwalbe où je suis là pour vous parler de la technologie tubeless, essentiellement pour la route, même si c'est une technologie que nous avons adoptée pour également le VTT et les pneus City. Aujourd'hui, on va se concentrer sur l'aspect route où nous amenons un certain nombre d'avantages que je vais essayer d'argumenter donc au cours de cette vidéo. Tout d'abord, il faut savoir qu'un pneu tubeless Schwalbe One est un pneu beaucoup plus performant qu'un pneu traditionnel tube type. On a effectivement une résistance au roulement qui est bien moindre que sur un pneu classique. Ça permet donc d'avoir une résistance au roulement plus faible, de meilleures performances, une meilleure capacité à accélérer. C'est un pneu qui est aussi beaucoup plus fiable d'une façon générale parce qu'on supprime totalement les risques de snake bite, n'ayant plus de chambre à l'intérieur, donc plus de risque de venir pincer la chambre sur un choc ou sur une utilisation un petit peu agressive. Ça, c'est un élément très important de sécurité. On supprime également les risques de perforation par un élément extérieur, épines, gravillons, etc. On utilise donc un liquide préventif qui vient à l'intérieur donc, du pneumatique, notre Dog Blue en l'occurrence. Ce liquide permet de venir colmater la moindre perforation et pour l'utilisateur, on ne se rend même pas compte en fait qu'on a percé. Le système fonctionne de façon instantanée et automatique. Donc on amène une fiabilité, une sécurité que l'on ne retrouve absolument pas sur un pneu traditionnel avec une chambre. Autre élément intéressant lorsqu'on utilise un pneu tubeless, c'est entre autres sur un parcours montagneux et par une température relativement élevée, c'est qu'on supprime totalement les risques d'explosion de la chambre à air, qui sont des symptômes qu'on vérifie et qui se déroulent relativement fréquemment sur une utilisation intensive et dans des conditions donc, de température et de route relativement importantes, de descente pardon, relativement importante. Donc ça, c'est un troisième élément donc, intéressant en matière de fiabilité. Également, parmi les autres arguments qu'on peut développer, il y a une notion de confort qui est indéniable lorsqu'on utilise un pneu tubeless et aussi également une notion de pilotage qui est énormément améliorée, entre autres sur des routes un petit peu accidentées où on a une capacité de contrôle de son vélo bien plus importante que sur un vélo traditionnel. Pour permettre justement d'accéder au plus grand nombre à la fonction tubeless, on a mis au point un certain nombre d'accessoires que Karsten va nous faire passer. Il s'agit tout d'abord, alors le premier élément important, c'est de disposer d'un fond de jante qui permet d'étanchéifier la jante. Donc à partir d'une jante traditionnelle tube type, on vient donc habiller le fond de la jante de ce fond de jante tubeless qui permet donc d'étanchéifier de façon très efficace la jante. Et on a aussi également mis au point une valve qui est en aluminium anodisé noir et qui permet d'adapter n'importe quelle jante du marché à un système tubeless. Et les deux éléments réunis permettent ainsi une transformation tout à fait rapide, efficace et peu onéreuse en un système donc tubeless qui donnera donc tous les avantages qu'on vient de lister précédemment.